Et rebonjour à toutes et à tous, c'est Irfan, on se retrouve pour le deuxième épisode, qui suit donc directement le premier épisode, dans lequel je venais de trouver un dossier juste ici, et que je sais pas ce qui va se passer par la suite. Quelle heure il est? Quelle heure il est? Il est 9h20. Et dis-moi qu'il y a une pile. Dis-moi qu'il y a une pile, Charlie! Non? Bon. J'ai toujours pas rechargé. Pour jeter un coup d'œil, hein, quoi? Hein, que ça? Hop! Coucou! Même pas peur. Coucou! Coucou! Oh! Oh! Monsieur! Hey, monsieur! Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Tu fais flipper, monsieur. Tu dors mal, monsieur. Monsieur, je vais te péter ta gueule. Monsieur, je vais y aller. Monsieur, tu es dégueulasse. Oh! What the... Mais il y a des survivants? Ouh! Jean-Jacques? Eh oh, les mecs! Tu regardes une télé vide, mec? T'es au courant? Non, je sais pas. Toi, t'as souffert un peu. Ah! Le mec, il prend des notes. D'accord. Alors, attendez. Notes. Qu'est-ce qu'il a noté? Une foule de types brisés qui regardent une télé HS. On dirait des patients qui ont survécu à ce qui s'est passé ici, mais ils ont la cervelle en compote. Au sens propre du terme. Ah 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 ah! Voilà. Et encore un téléphone qui sonne dans le vide. Youhou! Eh, je parie, je vais revenir dans le couloir, il n'y aura plus le mec sur sa chaise. Comme ça, je vais flipper. Eh eh. Il est là, le Père Noël? Il y a une merde qui me tombe. Ah, j'ai mal. Mes oeils. Ah bah si, il est là. Qui c'est qui chante? Allez vous faire reculer. Oh, fuck. Et tu refais le tour. Alors, il faut savoir que les principes des jeux de flip total, des survival, c'est de vous faire faire un chemin sans qu'il se passe rien, et de vous le faire faire en sens inverse, et il se passe plein de trucs. Sauf que là, ça a pas l'air d'être le cas. Toi, t'es juste décédé. Je sais pas. Pour quelqu'un qui a plus de piles, ça marche encore vachement bien ton truc. J'avais essayé là. Visiblement oui. C'est bien sécurisé cette porte, dis donc. Les mecs ils savaient à quoi s'attendre, on dirait, hein. Donc là c'est là que j'étais. Il y a un truc qui fait gargouiller. Ah bah c'est ça. Et merde, du coup je sais plus, je suis allé là-bas ou pas? Je sais plus. Ouah! Non, j'y suis pas allé. Connard! On fait pas flipper les gens comme ça. Attendez deux petites secondes. Oh fuck! Quelle heure il est? Ah ouais. Excusez-moi deux petites secondes. Et et on reprend tout de suite. Alors. Qu'est-ce que ça est? Du matériel de lavage. Qu'est-ce que... si tu veux. Ok. Ensuite... Non, non. Oh. Merde, je sais plus ce que ça veut dire, witness.
Oh, what? Et là, il me saute à la gueule. Le petit PD. Et là, il y a juste... Oh, super. Voilà. Hein? C'est pas la peine d'en dire plus. Il y a une porte, là. Mais je sais pas pourquoi. Elle correspond à rien. Tant pis. Chambre suivante. C'est la gerbe totale. Oh, surtout ça. Et ça, coucou. Et il vomit pas le perso. Ça gère un peu. Oh, des bouches. Coucou. Heure du décès. Ah bah ouais. Maintenant qu'il y a de la physique, hein. Il s'est passé un truc bizarre avec ton corps, toi. Je crois que t'as juste été méga mal modélisé. C'est tout. Ou que ta nuque passe par ta gorge. Mais là, c'est plus trash. Ah, une pile. Oh. What? Ne viendrais-je pas de me faire enfermer? Par hasard. Hein? Ah, c'est sale en plus quand tu retombes sur ça là. Bon. Il a noté quoi tout à l'heure? Non, pas ça. Note. Le témoin. Je suis déjà en piteux état. Quelques côtes cassées, des éclats de verre dans le cuir chevelu. Ah bon? J'ai failli me faire tuer par un géant difforme qui a l'air de s'être passé la tête à la râpe à fromage. Il m'a balancé à travers un mur et je me suis évanoui. Quand j'ai repris conscience, j'ai vu au-dessus de moi un vieux à tête de poupon alcoolique, habillé à la manière d'un prêtre, et qui m'appelait son apôtre. J'avais pas signé pour ça. Il y a des mots tracés en lettres de sang un peu partout, j'ai la seule impression que c'est le prêtre qui les a écrits à mon intention. Super! Ça s'annonce très bien. Allez, ouais, on court, on est des ouf! Cette porte nécessite une carte codée, d'accord. Carte codée qu'on trouve... Je ne sais pas où. Alors, trou du cul, il est forcé cette porte tout à l'heure. On verra tout à l'heure. Voilà, maintenant on va voir ici. Salle qui ressemble étrangement très beaucoup à la salle où il y avait les gogoles qui étaient là. Télé vide. Sauf qu'il n'y a plus de télé. Bonjour. Salut Kevin. Alors. Qu'est-ce que ça dit? Messieurs, en l'attente d'un rapport complet, aucune action n'est requise de la part de la Murkovka, 4 cas de décès, présent des éléments suspects. Possible, quelconque. Désolé, hein, je vous laisse lire, là, j'en ai marre de lire. J'en ai rien à foutre. Ok. Et là, une grenade, c'est cool. Tadadadadadam. T'as pas une pile dans les fesses, non? Moonwalk. Toujours détendre l'ambiance. Lie. Bon, c'est pas aussi flippant que ce que je pensais pour l'instant. Ah merde, il y a une deuxième porte. Bon. Pas utile. Ça s'ouvre ça? Non. Allons là-bas. Coucou toi! Ouvre! Why should we have to pay for it? Why do we have to die? Walker will kill us just for being sick. We're still people. We didn't choose this. Mais ouvre! Putain! Bon. Super. Ah non. Fausse frayeur.
Ouvre! Putain. Où est-ce que je vais trouver cette putain de carte, moi? Là. Coucou, toi, je t'ai déjà vu, tu as pas une carte qui traîne? Non. Clac, 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 non. Ok. Suivant. Toujours pas. Allez, on se casse. Coucou les toilettes. Non, toujours pas. Bon. Toi, j'ai pas regardé surtout si t'avais pas une carte ou une merde dans le genre. Donne. Donne. Tu lâches! Non? Et là, si je grimpe là. Ah ouais, tiens, j'avais pas vu. Oh! Ah, mais t'es trop empoté, putain, tu peux pas sauter là-dessus! Bordel! Oh, Google! Mais bon. Tant pis, on court, on court! Pourquoi que l'ongle? Ah, d'accord. Débile. Eh bien, descendons! Et hey, je vous laisse devant la porte. Rendez-vous à l'épisode 3, moi j'ai envie de vous dire. Hein. L'épisode 2, ça va, ça a été. Hein. Plutôt cool. On va voir pour la suite. Allez, gros bisous, ciao!